En Côte d'Ivoire, le directeur de publication des médias est civilement responsable du contenu du journal, comme les commentaires qui découlent de sa publication en ligne et sur les réseaux sociaux. Qui est considéré comme directeur de publication? Quelles sont les sanctions prévues en cas de manquement aux règles? Geneviève Evelyniao, sous-directeur chargée du contentieux de l'ANP, a donné des réponses au cours de la Lucarne à Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale. Vous savez que les commentaires constituent un additif à l'article lui-même. Quand vous prenez les publications de presse imprimées, lorsqu'il y a une contribution extérieure, le directeur de publication est responsable du contenu de cette contribution extérieure. Il ne peut pas en être autrement quant aux commentaires. Elles constituent également des contributions extérieures. Selon l'ANP, sur les 8 décrets d'application de la loi, 2 autres décrets restent à être pris. Il s'agit du décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel et celle de professionnel de la communication, ainsi que du décret portant modalités de délivrance de la carte d'accréditation des journalistes étrangers.